Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je donc mon j'ai essayé de faire un exposé un peu plus court et aussi parce que j'ai voilà moins de matière à présenter. Donc moi j'ai soutenu un mémoire en septembre à Sciences Po Toulouse sur le projet de réserve de vie sauvage de l'espace Vercors Vie Sauvage. Et donc je viens vous présenter quelques-unes de mes voilà de mes, des conclusions que j'ai eues, et je vais essayer donc de les mettre en regard avec le thème de la journée. Voilà, donc je voulais dire aussi en introduction que j'ai trouvé que cette journée est extrêmement intéressante, au sens où on a différentes disciplines qui ont été présentes, et que bah, je pense que le compartimenter les sciences, c'est aussi une forme de domestication de la pensée. Et donc je pense que faire dialoguer différentes approches, c'est aussi une manière de faire du ensauvagement de notre pensée. Enfin, ben, ma posture, elle se situe donc personnellement à la jonction entre la philosophie et les sciences politiques. Donc j'ai un master dans les deux disciplines, et donc j'ai été suivi pour ce travail de recherche à la fois par une philosophe, Virginie Maris, et par un politiste, Julien Westbein. Voilà, donc si je change, est-ce que ça marche? Ah ouais. Donc voilà, rapidement, les objectifs de cette présentation, ça va être de présenter un petit peu la controverse de Vercors Vie Sauvage, de mettre un petit peu en lumière les dimensions qui ont créé cette controverse et les conflits autour de cette réserve. Et enfin, donc des pistes sur comment partager le monde, et notamment bah, comment on peut réensauvager notre humanité pour être capable d'accepter différentes manières d'habiter le monde. Et enfin, je vais très rapidement poser ce que j'appelais les avenirs politiques du sauvage. Alors, donc voilà, donc Vercors Vie Sauvage, donc ça se situe dans le Vercors comme son nom l'indique. C'est une ancienne réserve de chasse qui fait 500 hectares et qui a été rachetée donc par une association dans le but d'en faire un espace de réensauvagement. Actuellement, seule la moitié de l'espace est accessible, puisque dans l'autre moitié, on a des espèces introduites dont il faut empêcher qu'elles se répandent, qu'elles aillent se mélanger aux espèces endémiques. Donc c'est une réserve qui est portée par l'ASPAS, qui est une association qui était à la base militante contre la chasse, qui a été fondée dans la Drôme et dont les modes d'action privilégiés sont le légal et le médiatique. Hein, donc 3 500 procédures judiciaires à son actif. 100 000 à donner sur Facebook, ça donne une idée un petit peu de l'écho qu'ils peuvent avoir. Et ensuite des soutiens de personnalités à la fois médiatiques et académiques. Donc je présente ces éléments-là parce que ça va être au cœur aussi de la controverse qui va éclater autour de leur réserve. Justement, certains habitants du Vercors et les opposants vont leur reprocher bah, leurs accès aux médias, leur proximité avec un monde académique qui est jugé comme étant en décalage avec le monde rural. Donc cette réserve de vie sauvage, c'est l'une des 5 réserves que l'ASPAS gère réparties dans toute la France. Et l'idée, c'est que dans ces réserves, seule la promenade est autorisée, la cueillette de champignons ou de plantes étant interdite. Donc ici, je vous présente une brève chronologie de la controverse, ainsi qu'un recensement des articles médiatiques sur la controverse. Donc très rapidement, donc en novembre 2019, la réserve est achetée par l'ASPAS, et les locaux donc se mobilisent de plus en plus contre la réserve, et ça va culminer avec une manifestation donc le 21 août 2020.
Cette manifestation va aussi, cette date de la manifestation va aussi être le moment où les médias s'emparent le plus du sujet, notamment les médias nationaux, et on commence à avoir des traitements négatifs sur la réserve, là où avant les quelques articles publiés étaient massivement positifs. Et notamment, on a un article du Monde dont le titre est assez évocateur. Ils arrivent avec leur pognon de dingue et disent « Écartez-vous, c'est nous qui allons sauver la nature ». Alors donc sur les ressorts de ce conflit, je vais rapidement présenter les trois ressorts qui me semblent pertinents et qui posent question. D'abord une dimension identitaire puisqu'on a affaire à donc deux mondes qui se caricaturent. Une dimension d'usage puisqu'on a la question de la propriété qui est au cœur de la et de l'usage qu'on peut faire de la propriété qui est au cœur de cette controverse. Et enfin la question du rapport à la nature et de l'héritage donc de chacun de ces groupes sur le rapport à la nature. Donc, sur la question identitaire, on a d'un côté des locaux qui se sont présentés, notamment dans les médias, comme des aborigènes et qui ont fait un parallèle entre leur situation et les aborigènes donc d'Australie qui ont été massacrés et chassés de leurs terres par les colons britanniques. Ils font un parallèle entre leur situation et ont l'impression que l'espace et donc ces projets de réensauvagement viendraient remettre en question une identité et une manière d'habiter le territoire qui remonte à 7000 ans. En face, donc je vous ai mis la référence d'un ouvrage qui s'appelle L'Utopie sauvage, donc de deux sociologues, et qui apporte un regard critique sur le réensauvagement en présentant le réensauvagement comme quelque chose d'essentiellement citadin qui vise à créer des bulles de sauvages dans lesquelles on pourrait s'extraire d'un monde citadin auquel on serait emprisonné, mais qui serait donc issu de l'extérieur et qui nierait en fait la réalité des liens entre les habitants de la campagne et leurs espaces. Ensuite, la question de la propriété qui a été au cœur de cette controverse. Je suis remonté à Locke, donc un penseur donc, du libéralisme, qui a donc sa pensée dit dans ce qu'on appelle la clause de Locke que l'homme a un droit naturel à s'approprier toute terre qu'il peut transformer en bien par son travail. Et donc on voit que par rapport à cette tradition libérale qui a donc été poursuivie par la suite, on a notamment Morton Horwitz, un historien du droit américain, qui a montré à quel point la production dans la jurisprudence américaine est devenue de plus en plus consubstantielle de la propriété. Et donc le fait d'utiliser la propriété, donc d'acheter un terrain, de l'utiliser la propriété privée, pour ne rien en faire et pour ne pas l'utiliser, ça a pu être décrit par Baptiste Morisot comme quelque chose de scandaleux vis-à-vis de la vision traditionnelle de la propriété. Donc on a à ce niveau-là aussi quelque chose qui se joue et qui heurte le rapport traditionnel qu'entretient la société à la propriété. Et finalement, pour remettre ça pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, j'ai repris l'expression d'un îlot de sauvages, puisqu'en vérité, on a affaire dans les faits, l'ASPAS gère 5 réserves, dont la plus grande fait 500 hectares. Donc on a affaire à des petits îlots de sauvages, et il est assez remarquable de considérer à quel point ils ont une capacité à faire scandale, alors même qu'il s'agit de quelques îlots à travers un monde qui est massivement géré. Donc au final, Si des îlots de sauvages ont une capacité à déclencher ce genre de controverse, c'est parce qu'il y a un problème de principe qui se joue. Ce problème de principe, il remonte évidemment au droit que nous aurions hérité, qui est un droit à exploiter la nature. Donc j'ai repris la situation de Descartes, hein, qui dit que nous devons nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, car la res cogitans, la chose qui pense, donc est supérieure à la res extensa et a vocation à la dominer par le truchement de la science. Et du côté du réensauvagement, on aurait une forte de volonté de mise sous cloche qui là aussi réinterpréterait une forme de rupture entre le monde humain et la nature. Pour essayer de prendre de la hauteur par rapport à ces deux approches, j'en reviens à la pensée de Philippe Descola, donc qui, dans Part de la nature et culture, a montré que le dualisme est spécifique à un temps et à un espace, donc à savoir à la modernité occidentale.
Puisqu'en vérité, la séparation à laquelle on a affaire entre les humains et les non-humains, eh bien, elle n'existe que dans le elle n'existe que dans le monde occidental et elle n'existe que, que depuis la modernité, donc depuis la pensée des Lumières. Donc finalement, après avoir exposé quelques ressorts donc, de cette controverse, je voudrais explorer quelques pistes sur comment nous pouvons apprendre à cohabiter avec le sauvage. Donc d'abord sur la question du dualisme, il y a deux approches concurrentes que j'ai retenues. Virginie Maris d'abord qui propose de repenser le dualisme au lieu de voir une opposition entre humain et non-humain, d'essayer de penser une dialectique entre humain et non-humain, c'est-à-dire en vérité de reconnaître avant tout donc, trois qualités à la nature, son extériorité, son altérité et son autonomie. Et donc, à partir de ces trois qualités, de reconnaître qu'il est nécessaire qu'il y ait des espaces où l'empire, de poser des limites à l'empire humain. Baptiste Morisot, lui, propose de dépasser le dualisme d'une manière qui est un petit peu complémentaire, puisque pour lui, il va s'agir d'essayer de ne pas rejouer cette séparation entre monde humain et non humain, mais plutôt de passer dans une lutte politique pour essayer de mettre fin à toutes les activités humaines qui sont basées sur l'exploitation des non-humains. Et à créer une coalition des activités qui sont respectueuses des dynamiques du vivant, et donc d'en faire une lutte politique. Finalement, très rapidement, comment concilier ces usages du monde concrètement ? Donc une philosophe pragmatique, Émilie Hage, propose une solution qui consiste à, avant tout, trouver des compromis sur les questions morales et politiques en amont de la matérialité. Ce qui signifie que dans le cas de Vercors Vie Sauvage, il aurait fallu qu'il y ait plus de dialogue. Et donc dans mon travail de terrain, c'est une des choses qui est remontée auprès de tous les acteurs que j'ai interrogés, qui ont regretté qu'il y avait eu très peu de dialogue donc, avant que la réserve soit créée. Et donc le dialogue, mais un dialogue exigeant et sur les questions morales et politiques, donc, peut permettre de faire un monde en commun. J'ai voulu mettre en avant une deuxième idée qui est la santé polymorphe des milieux et qui est l'idée que une alliance peut se constituer autour de l'idée qu'un milieu peut être riche de la multiplicité de ses usages et qu'à la fois le monde rural qui doit sortir de sa logique d'exploitation du vivant et doit comprendre que il ne se contente de recueillir les fruits des dynamiques du vivant et que les défenseurs du sauvage doivent aussi dépasser l'idée que toute exploitation est forcément néfaste et à partir de là on peut penser l'idée que bien il y a une santé polymorphe des milieux. Voilà, donc enfin, rapidement, donc dans une dynamique de lutte, ben là j'ai repris l'idée de Baptiste Morisot qui nous dit qu'il faut avant tout dépasser l'idée de démarcation et faire en sorte que tous les courants qui sont dans le sens du respect des dynamiques du vivant soient dans le même côté, puisque notamment une des choses qui était remarquable dans la controverse qui a éclaté autour de Vercors Vie Sauvage, c'était que la Confédération paysanne était du côté des gens qui s'étaient opposés à la réserve, alors qu'on aurait pu penser au premier lieu qu'il y avait une communauté d'intérêt entre les défenseurs du rensauvagement et la communauté paysanne. Donc Baptiste Morisot propose quelques pistes pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à créer des nouvelles coalitions de lutte. Enfin, lutter pour le sauvage, ça passe aussi par les différentes formes que politiquement le sauvage peut prendre, qui vont des expériences libertaires, associatives, institutionnelles, jusqu'aux expériences transnationales, et ce qui m'amène à en venir à ma conclusion, donc, qui est, au final, quelle limite peut-on poser à la politisation du sauvage, et dans quelle mesure toute politisation du sauvage, la politisation du sauvage ne prend pas le risque de mettre fin à son potentiel transformatif, et notamment avec les phénomènes de marchandisation du sauvage. Donc j'ai identifié de nombreuses pistes donc, dont Régis Barrault a également parlé, mais sur le fait qu'effectivement il y a une forme de marchandisation du sauvage, il y a une forme de tentative de récupération libérale, notamment avec les dynamiques de capital vert, de services écosystémiques, de cette lutte en faveur du sauvage. Il y a donc une institutionnalisation, donc, puisque les politiques publiques et les politiques publiques européennes transnationales s'intéressent de plus en plus à cette question du sauvage. Et donc ça nous pose une question, à savoir est-ce que cette institutionnalisation ne prend pas le risque de aussi modifier finalement ce qu'est le réensauvagement et peut-être l'aseptiser et mettre,
Et donc, voilà. Et enfin, donc, le dernier point, c'est l'internationalisation qui pose de graves enjeux, enfin, des enjeux très importants de justice sociale et environnementale. C'est à savoir, quand on implante une réserve et quand on fait du ren-sauvagement, eh bien, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit fait en bonne intelligence avec les habitants d'un territoire? Là-dessus, c'est des questions qui soulèvent aussi, dans le cadre d'une internationalisation, des questions de néocolonialisme qui sont également complexes et qu'il faudra absolument traiter. Voilà, je finis avec une petite citation de Henri David Thoreau. Et voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai réussi à être clair. Je suis pas très familier de ce genre de...